La fumée, c'est maîtresse Kai qui commandait. La fumée, pas quitter la personne fâchée. Pour l'ouvrir porte là, pour lui foutre forcer ou aller. La personne qu'en zo plusieurs fois, là le soleil lié en détroit pas. Soubitation par l'issel oua. Parti ou gantan koulika, dit Jean-Marie ti Nicolas, qui t'a qu'à faire le marché ou pas. La personne compte ça, ça veut dire la vie détruit pour bailler la vie. Pas qu'à perdre ça, pas perdre. La fille dit m'la qui zore ou tende. La fille c'est maîtresse Sky qui commande. La fille pas quitter la personne fâchée. Pour l'ouvrir porte là, pour lui foutre force ou aller. La personne connaît la victoire, pour respect la vie, pour les doigts. C'est bagaille qui gagne gros combat. Li connaît bien que Timoura, si ou l'emballe bravo et ça va, pas de monde qui gagne doute sous ça. Nous pas quoi la personne saisie pour ça que t'es arrivé à minuit, c'est nuit qui a les jours pour Alvini. La fille m'a dit m'la qui saurait ou tendait. La fille m'a c'est maîtresse Sky qui commandait. La fille m'a pas quitter la personne fâchée. Pour l'ouvrir porte là, pour lui foutre force ou aller. La fille m'a dit m'la qui saurait ou tendait. La fille m'a c'est maîtresse Sky qui commandait. La fumée pas quitter la personne fâchée. Pour l'ouvrir porte là, pour lui foutre force ou aller. Pour l'ouvrir porte là, pour lui foutre force ou aller. Pour l'ouvrir porte là, pour lui foutre. Bonjour tout le monde, vous êtes en fait écouter Radio Sifa et ça c'est Mano Charlemagne, c'est un chanteur haïtien et c'est pas seulement un chanteur mais c'est aussi un politicien et un activiste. Puis, il a mouru dans l'année 2017. Puis, pour le réseau, j'en fais jouer de la musique haïtienne, Britt Loster, ça couvre vos deux invités très spéciales dans le studio 7, avant Fantal White et Lunerock Pierre-Louis. Bonjour tout le monde. Bonjour Lisa. Comment ça va? Ça va bien, merci. Donc, juste pour présenter un peu l'émission qu'on fait ce soir, ça s'appelle Découvrons Haïti. Puis c'est une émission qui est présentée en marge du colloque Les médias francophones sous toute leur couture qui va se débuter le 4 octobre, donc vendredi, donc espacé du 4 au 6 octobre. Donc, cette émission spéciale est parrainée par le Centre de la francophonie des Amériques. Donc, juste pour vous dire un peu c'est quoi le Centre de la francophonie des Amériques, le Centre contribue à la promotion d'une francophonie porteuse d'avenir pour la langue française dans le contexte de la diversité culturelle, en misant sur le renforcement et l'enrichissement des relations entre les francophones et les francophiles du Québec, du Canada et des Amériques. Donc, la présence du professeur Lunerock Pierre-Louis, qu'on a ici en studio avec nous, de l'Université d'État d'Haïti, a été rendue possible grâce à une bourse de mobilité des chercheurs dans les Amériques. Ce programme favorise la recherche en français et la coopération entre scientifiques des Amériques. Le Centre de la francophonie des Amériques est très fier de collaborer avec la Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales de l'Université Sainte-Anne, avec le Réseau de la recherche sur la francophonie canadienne et, bien sûr, avec Radio CIFA 104.1, le son du Sud-Ouest. Ben, merci beaucoup, Fantal. Alors, allons parler plus aujourd'hui à propos de Haïti et qu'est-ce que votre culture et tout ça. So, Fantal, qu'est-ce que la première question que vraiment pour Lunerock? On en parlait tantôt dans la cuisine, moi et Lunerock, parce que je lui avais passé les questions qu'on avait pour l'émission d'aujourd'hui. Puis, il y avait une question qui l'avait accrochée en particulier, puis c'était la question du mets national. Mais ce qui l'avait accrochée, c'était ma parenthèse de « comme notre rat pur ». Ça fait que je pense peut-être avant même de poser la question à Lunerock sur le mets national, il faudrait peut-être lui expliquer une miette. Qu'est-ce qu'est la rat pur? Je ne sais pas comment l'expliquer autre que je m'en souviens une fois, une façon que je l'avais expliqué à quelqu'un qui était japonais, je dis « it looks like gray snot ». C'est pas mal. Donc, ça l'air... C'est pas très appétissant, en fait, mais c'est très bon. Oui, oui. C'est fait avec des patates râpées, puis le tout, le jus est tout sorti. Puis là, tu prends la patate... Puis tu prends le tofu à cuire, une poule,
dans de l'eau et des oignons et tout ça. Puis là, tu prends le jus là, puis tu le mets dans la patate. Puis là, ça fait comme une, pas une pâte, mais je sais pas juste comment le décrire. Faudrait peut-être ben, lui montrer un portrait. Oui, peut-être. Mais puis tu mets de la poule aussi dedans. So, c'est vraiment, c'est comme ça, ça garde point. C'est une texture un peu gélatineuse, mais oui. C'est délicieux. C'est très réconfortant. J'imagine bien. Et bien, dans la même lancée, et en Haïti, il y a justement un plan national, mais c'est-à-dire, peu importe la manière dont on tourne le plat, on trouve un élément très important, très fondamental, c'est le riz. Le riz, ok. Le riz. Et on dit même en Haïti comme proverbe que le riz c'est 97% de politique, 3% de protéines. C'est une façon même pour dire que le riz est tellement fondamental. Mais attention, ce riz, il peut être mangé généralement c'est avec de la viande, mais ça peut être également du poisson. Ok. Mais l'important c'est l'identité de ce menu. Et ça va avoir des implications économiques. Parce que si on baisse le prix du riz, on n'aura même pas besoin de baisser les autres prix. Ça va baisser tout seul. Ah, ok. Et il suffit d'augmenter le prix du riz et les autres prix également grimpent. Donc, autant dire que le riz, c'est un élément même fondamental et dans l'alimentation, mais aussi qui rentre comme un élément social même dans la vie en Haïti. Alors, le riz est-il comme du riz blanc, ou c'était du riz blanc ou brun, ou quel mode de riz que c'est? Eh bien, il est vrai que le riz haïtien et Haïti produit diverses typologies de riz. On a divers types, et particulièrement dans la vallée de la Tibonite, mais aussi dans le nord-ouest, ou légèrement dans le Nip et dans l'ouest. Et on a le riz jaune, mais on a aussi le riz blanc. C'est-à-dire on prend les riz nationaux sans compter la masse de riz importée. Mais c'est comme si l'élément fondamental, c'est le riz tout court. Pas forcément. Bon, maintenant, le choix de qualité, le choix de typologie, selon la variation des prix, mais ça va dépendre de goût, mais aussi des capacités de pouvoir d'achat. Mais l'important, c'est quand on dit le riz tout court, c'est parfois le riz qui est le plus commun sur le marché, qu'il soit importé ou qu'il soit parmi les riz produits par les variétés de riz produits en Haïti. Ok. Puis le mangue était d'habitude épicé ou c'était... Non, en général, on mange épicé en Haïti. Et voilà pourquoi automatiquement, où l'on devait faire un régime pour des problèmes peut-être gastriques, et avec moins d'épices, donc on est obligé maintenant d'être plus prudent, qu'il soit au restaurant, qu'il soit chez soi, et pour limiter pratiquement certaines épices qui donnent plus de problèmes et pour des raisons gastriques. En général, on mange épicé, on mange avec beaucoup d'épices en Haïti. Ok. Moi, j'avais une question encore sur le riz, parce que quand j'étais à Montréal, puis je travaillais dans une radio haïtienne à Montréal, puis il y avait certains types de riz qu'on mangeait juste la fin de semaine. Donc, règle générale, le dimanche, c'était le riz jonjon. Puis ensuite, il y avait le riz qu'on mangeait le reste de la semaine, qui était le riz à pois. Eh bien, en général, en règle générale, c'est les riz aux haricots, le riz avec le pois et différents types de pois. Mais alors le riz qui est plus en dimanche, bon, qui est plus dominical, mais c'est, autrement dit, c'est parce que c'est une tradition d'abord qui vient d'Haïti de première main, mais qui a surtout un rapport au pouvoir d'achat. Et je devrais également dire que le temps de cuisson et le riz quand même aux champignons, le champignon est beaucoup plus rare. Le champignon, ça demande parfois de passer d'un supermarché à l'autre. Et ça fait beaucoup plus précieux, ça fait beaucoup plus classe de chercher le champignon pour faire le riz. Et le grain très long, le riz au grain très long et à diverses variétés en Haïti qui ont des noms bien particuliers. Et qu'on cherche ce riz, alors que le riz au haricot, ça fait un peu quotidien. Okay. Ça fait un peu quotidien, mais l'important,
le point sur lequel je pourrais toujours insister pour les auditeurs et les auditrices de Radio SIFA, c'est le fait que il y a le nom de riz. Peut-être la manière de cuire peut rentrer également en jeu. La manière également de présenter peut rentrer en jeu. Mais l'important c'est qu'il y a le riz et sous une forme ou sous une autre. C'est la base. Qui n'est quand même pas des galettes de riz. Ah oui, ça je devrais peut-être ajouter. Ouais. Ok, so maintenant je vais aller à des annonces publicitaires. Hi, c'est Pearl Radio Wissette, la présidente du transport de Clan. Savez-vous que le transport offre des voyages en groupe? Ça pourrait être à l'Échappée, à Yarmouth, Digby Bay, Halifax et même des trips au casino. Si vous aimez rencontrer du monde, avoir du fun et pas avoir besoin de driver, le transport de Clan est juste le voyage pour vous. Appelez-nous au 902-769-2333 pour plus de détails ou rendez-vous en arrière du CSAP à Metégun-Levant. Rentrez voir le transport de Clan à l'arrière du CSAP à la Butte ou appelez-nous au 902-769-2477. Le temps d'acheter est aujourd'hui. C'est votre dernière chance à prendre avantage de Ford Employee Pricing à Belleville Motors. Avons la meilleure sélection de l'année. Rentrez aujourd'hui et payez ce que les employés de Ford Canada payent pour 2019. Dépêchez-vous, Ford Employee Pricing finit le 30 septembre. Belleville Motors, pointe de l'église à Digby. You don't. Belleville Motors. Le Get In and Go event est fait à Tuscan Toyota et avons Nevac le Corolla-thon. Ça veut dire que avons un incroyable deal sur tous nos 2020 Corolla en stock. Achetez une 2020 Corolla ETF sur notre lot et j'allons vous donner des pneus d'hiver gratuits et un remote start. J'en avons des Corolla en masse et tous nos modèles venant avec des fonctionnalités comme backup camera, Bluetooth, Toyota Safety Sense 2.0, Apple CarPlay et plus. La Corolla L, qui est disponible en automatique ou standard, commence à rank 59 pièces par semaine sur taxe. Contactez-moi, Tammy, Serge, Tara ou Steve pour votre nouvelle Corolla aujourd'hui. Contactez-nous au téléphone à 749-1700 ou visitez notre site web à toyota.ca. Corolla Zone, venez prendre avantage aujourd'hui. La loterie Y12 recommence bientôt avec le tirage du gros lot de 50 000 pièces le 27 mars 2020 et le 50-50 qui sera tiré le 31 décembre. Vous pouvez aussi gagner un voyage pour deux à Cuba, commandité par Maritime Travel, et même un 2019 Nissan Kicks ou 25 000 pièces en cash. Les tirages Early Bird seront les 22 et 29 novembre avec un prix de 5 000 pièces pour chaque tirage. Appelez 769-2432 ou rentrez nous voir au bureau de SIFA à Comerville pour acheter vos billets Y12. Achetez vos billets tôt pour avoir plus que 40 chances à gagner. You could be a winner with Y12 Lottery. Win big, Y12. Moi, maman me voyait me peser café, ouais. En arrivant dans ce potage, de ma mère était. Maman me voyait me peser café, ouais. En arrivant dans ce potage, de ma mère était. Ça m'a pris la caille, les m'arrivées. 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 Maman me voyait me peser café, de ma mère était. Maman me voyait me peser café, ouais. En arrivant dans ce potage de ma mère était. Oh, ça m'a pris la caille et m'a rivé. Ça m'a pris la caille et m'a rivé. Ça m'a pris la caille et m'a rivé. Ça m'a pris la taille et m'a rivé. Mmh.
des cafés. En arrivant dans ce bouteille, j'entends ma mère fêter. Moi, ça m'a pris la caille et m'arriver. 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 Oh, ça m'a pris la caille et m'arriver. Show revenu à Sifa avec Chantal White et Lunerock Pierre-Louis. Bienvenue. Puis lorsque je vais parler de... Comment vous dites? Quelles langues qui sont parlées? Quelles langues qui sont parlées à cause d'Haïti? Mais Haïti, selon même les dispositions constitutionnelles, on a deux langues officielles, le français et le créole haïtien. Et n'empêche que qu'une petite frange de la population parle aussi anglais et même espagnol sur la frontière haïtienne-dominicaine. Mais les deux langues, c'est le français et le créole. Maintenant, ce bilinguisme, c'est un bilinguisme qui n'est pas limité géographiquement, où on pourrait dire tel endroit, c'est le français, tel autre, c'est le créole. Mais français et créole ne sont pas forcément à échelle égale non plus en Haïti. Et parce que le français, les Haïtiens qui arrivent bien à parler français, donc ça dépend justement du niveau de scolarisation, du niveau d'éducation, et qui facilite la pratique du français. Et ces Haïtiens arrivent à parler français, et voilà pourquoi, là encore, il va y avoir une question de régime, de niveau. On va trouver peut-être des bons becs et francophones et par rapport à quand même des locuteurs à un niveau beaucoup plus lambda, plus moyen. Et pour le créole, en revanche, tous les Haïtiens d'Haïti et même des Haïtiens et hors d'Haïti et parlent le créole. Ok. Tout le monde parle le créole. Et tout le monde parle le créole, alors que le français, ça parle selon un régime qui va de l'éducation, du niveau d'éducation. Ok. Okay. Puis, est-ce que, comme par exemple dans les familles, est-ce qu'il y a certaines familles qui ne parlent qu'en français ou ça arrive presque pas? Et je dirais quand même, la tendance, il y a avec des familles qui ne parlent que français ou bien qui ne s'adressent entre eux qu'en français. Et ça existe peut-être de moins en moins ou de toute façon, ils ajoutent un peu de créole. Mais ça reste quand même une tradition où... Et même si on met un peu de créole, mais ça reste encore du français. C'est aussi des familles qui s'arrangent même pour que le ménagère, le servante, comme on dit en Haïti, c'est des techniciens qu'on emploie pour travailler à la maison, qui ont encore un certain niveau de français. N'empêche que ces mêmes personnes et entretiennent parfois un discours pour créole qui frise en quelque sorte une part d'hypocrisie. Mais il y a quand même un peu de créole et aujourd'hui il y a un mélange, un brassage français-créole. Donc même s'il y a un discours pro-créole, on parlerait quand même en français majoritairement. Alors voilà, c'est peut-être la belle question même pour nos auditrices et auditeurs justement de Radio Sifa. Et ceux qui parfois ne parlent que créole, pourtant ne tiennent pas ces discours. Autrement dit, ils disent, bon, de toute façon, moi, si je ne parle que créole, parce que je n'ai pas fait de gros études à l'école, mes enfants doivent faire autrement. OK. Et peut-être ce sont ceux qui ont fréquenté peut-être les meilleures écoles, peut-être les meilleures universités parfois du monde, et qui sont dans la politique, qui font ces genres de discours, et qui parfois, pourtant, évitent que leurs enfants se mêlent à des gens qui parlent créole. Et quand les enfants sont à l'école en Haïti, ils les envoient parfois au lycée français, ou dans des écoles américaines, ou dans des écoles, mais qui tiennent ces discours. Voilà pourquoi ces discours ont tendance
pas à tendance, mais un discours qui a une forte dose d'hypocrisie. Parce que nous sommes d'accord que la cohabitation des deux langues, voilà ce qui est souhaitable, et qui est souhaité, et qui se fait. Et la promotion des deux langues aussi reste importante. Et l'idéal pour l'Haïtien, c'est de pouvoir s'exprimer en français ou en créole. Alors on s'imagine que je serais venu en Acadie, bon, on aurait besoin d'un traducteur pour moi, comme Haïtien. Ça paraît un peu bizarre et même ridicule. Et ce qui voudrait dire, et chaque Haïtien devrait apprendre, effectivement, c'est ça l'idéal, d'apprendre chaque langue, ou connaître chaque langue, et de pouvoir maintenant s'en servir selon les circonstances, selon les besoins, selon les choix aussi, dans des moments différents. Merci. je pense, qu'est-ce que c'était? On s'était posé la question aussi sur le genre de musique. Donc là, on vient juste d'entendre Pays des Cafés de Layla McCullough, qui est en fin de compte une Américaine, mais d'origine haïtienne. Oui. Donc, quel type de musique qui joue particulièrement maintenant en Haïti? Eh bien, sur la question de la musique en Haïti depuis peut-être l'arrivée de François Duvalier au pouvoir dans les années 50, particulièrement en 57, il y avait peut-être une rupture musicale parce que Haïti a toujours été un pays riche en diversité et musicale, tant au niveau classique, même si en proclamation d'indépendance en 1804, ça veut dire qu'on était déjà au 19e, c'était la fin du classicisme viennois pour arriver à l'époque romantique et la musique contemporaine. On a eu beaucoup, comme Oxyde Gentil, comme La Motte et tant d'autres classiques. Mais à cette époque, à partir des années 50, c'est ce qu'on appelle le compas direct. Mm-hmm. C'est le compas qui a pris. Même quand le compas se transforme, mais ce qu'on appelle compas en Haïti, eh bien, c'est la musique qui reste quand même, c'est la variété qui a toujours la plus grande, comme on dirait dans un langage belge, la plus grande cote. Le pourcentage est plus élevé, la tendance générale. Mais n'empêche, maintenant, il y a des variétés aussi qui sont par les moindres. Ils écoutent pratiquement je dirais des variétés qui n'ont pas peut-être pris naissance en Haïti. Donc, quand on écoute justement des là, bon, alors c'est Makala. J'ai l'impression, à force de Dida est là en Haïti, donc je n'ai même pas compris au premier temps. Parce que quand j'ai bien entendu Pays des Cafés, donc c'est à la rigueur, si on me force à chanter peut-être même en tête, j'ai trouvé quand même pas mal. Ou des variétés de gens, des chansonniers qui font comme Manouche Allemagne, qui font des chansons un peu plus, beaucoup plus solistes. Ou des groupes du style justement comme Bélo qu'on a également dans notre liste et des chansons qu'on appelle Racine ou des chanteurs qu'on appelle chanteurs engagés. Bon, tellement le Chalmaï dans un moment c'était considéré tel, bon, malheureusement par la suite c'est lancé de la politique, ils font les mêmes erreurs de ce qu'ils critiquaient, parfois c'est toujours le danger quand on se lance dans la politique. Ou bien Michel Martelly qui était président avec le style de compas, c'est la catégorie dominante. Mais aussi, on a l'orchestre Saint-Trinité et le classique n'est peut-être pas trop prospère, mais c'est pas absolument et absent. Donc le classique, en termes de grand classique, je prends le thème dans un sens ici beaucoup plus. Je prends le thème classique dans un sens plus classique, qui fait que, pour ne pas dire, parce que sinon on va faire si on fait le classement par terminologie, on trouve que le classique c'est une période historique de la musique, pas ce qui vient après, mais je le prends dans le sens beaucoup plus large. Il y en a, de toute façon, et ce qui veut dire que Haïti reste quand même très mélangé de ça. Et je ne dois pas oublier également le poids de la musique dominicaine ou de la musique dite latino, et quand bien même la musique mexicaine. Et là encore, parce que là, on a les écoles de danse, et c'est des écoles qui font tantôt beaucoup, beaucoup de latino, y compris la musique argentine, et de tout ça, c'est quand même présent en Haïti, et à chacun un peu son goût, et même s'il y a chacun choisi parfois des tendances, mais dans les transports publics, parfois on écoute de la musique, où vous allez quelque part en Haïti, et on choisit selon peut-être les périodes et également, pour dire si j'ai tangente et plus ou moins bien la question. OK, ben maintenant, allons-les à des annonces.
York et Hermit présentent une haute saison de performances exceptionnelles par des artistes renommés. Le 4 octobre à 7h30, Whiskey Jack présente les histoires et les chansons de Stompin' Tom. Le 8 octobre à 7h30, le York présente Hotel California, un groupe hommage aux Eagles. De quoi pour tous les goûts au York et Hermit. Appelez 742-8150 pour réserver vos billets aujourd'hui. Gateway Fuels vend l'huile à fournaise et du diesel aux maisons et à l'industrie. Dave Senior, Dave Junior et le personnel sont beaucoup aimés parce qu'ils connaissent les besoins du clientèle. La grande famille acadienne, venant Weymouth à Pubnico, aime travailler avec le monde qu'elle connaît. Gateway Fuels, Rue Pleasant à Yarmouth. Hi, Cathy ici, de Archway Insurance, veille after vous, à la butte à Metagan River. Ici, on a une variété de plans d'assurance qui inclut maison, auto, besoin, ainsi que des plans d'assurance de voyage. Pour la vie professionnelle, rentrez-nous voir à Archway Insurance, VF Deveau, à la butte ou contactez-nous au 902-769-3366. Nos heures de besoin sont de 8h30 à 4h30 du lundi au vendredi. Si moun suive la pluie cap tombe, la fumée l'essaye kembel, moun cap courir marche palé. Ligue pour le grand digérondier, pour le tourner yon moun cap pense dans la vie, ça pour le décider. Ou bien le rete yon va nu pied. Ou bien le mandé qui s'est passé, qui j'en pour la vie avancer. S'il a l'école une fois soudée, folle qu'on est que dans les passés, mon tap marché à tête baissée. L'enfouillé cherché, questionné. Les finis par apprendre des idées comme dominant à dominer. Les cas font choix pour moi que sérieux. À partir de là, ou à juger sur qui côté qu'elle a pillé. Pas oublier avant de t'expliquer. Qu'elle a l'école une fois soudée, ça veut dire l'encan dominé. La paix évolue dans la société, mauvaise idée c'est le coq chanté, c'est facile pour être les virés. Si maman t'a pesé café, si papa le relétier donné, yo fait le sentir qu'elle a rire. Mais l'idée bourgeoisie potée que nous-mêmes nous voulons dépasser, c'est la droite contre l'hypnolité. La droite zamis ça son danger, quel que soit côté qu'elle y est, toujours prendre pour l'ennemi giré. En d'un coup pays étranger, c'est un seul bagaille fixé, l'exploitation à bon marché. Pas comprendre n'a pas bêtisé, yo fait réunion pour frapper dans bel restaurant sous Broadway. Papier à la main non cité, patriote capé dénoncé, injustice cap fait l'autre côté. Caïman quoi c'est mouche nouillée, les ouvertes jolies à glolanger, les comprennent que nous bral poser. Faut dimanche qu'a dit ça que passé, si m'a menti, si m'a brancé, si nous voulons guénon, moi qu'a cité. Combinaison fait tout côté, la caille en pays étranger. Depuis c'est la loi qui a frappé. Mon
kap di se haïtien yo ye entere yo we en premier pa gen yo ka regle ke yo ka regle se vole yo ye. Puis ça, c'était Manon Farnlemang, puis ça, c'était Timon. Puis tu m'as dit que ça voulait dire petit enfant. Oui, enfant. Enfant, ok. Enfant. Sous l'âge d'environ 11 ans de vieux. Oui, jusqu'à 10-11 ans. Et oui. Même si la tradition veut que tout jeune haïtien qui ne soit pas encore pubère est considéré comme enfant. Et ceci, parfois, on mène. Un jeune de 13 ans chez le médecin, on le fait voir le pédiatre parce qu'on peut qu'il est encore enfant. Là, c'est peut-être comme moi, mon enfant a 18 ans de vie, puis je l'appelle encore mon bibi. Nous autres, on va plus des bibis. Oui, on a tendance à le faire ainsi. Ouais. Hein. Alors, Fantal, je vais aller limite plus creux maintenant. Là. On va parler de les choses bien légères maintenant. Maintenant, on va aller limite plus creux dans les politiques et tout ça de Haïti. Oui, exactement. Donc, tantôt, tu nous avais parlé justement de l'influence de la République dominicaine, donc qui est le pays voisin d'Haïti. Puis, la première question qu'on voulait te poser par rapport à ça, c'était, c'est quoi la relation entre ces deux voisins-là? Ben oui, c'est demain, sur le point de la musique, c'est vraiment la musique dominicaine domine un peu, a quand même un grand écran en Haïti. En termes de relations, c'est là une relation assez, on va dire... il faudrait prendre 5 considérants rapidement dans les relations haïtiano-dominicaines. Et vu le temps, pour dire que quand on prend les deux États, on prend ça au plus haut niveau, entre président et président, gouvernement et gouvernement, mais rapport entre dominicains et haïtiens, les deux gouvernements se disent parfois frères, même si parfois les deux gouvernements dominicains critiquent un peu les gouvernements haïtiens, mais entre eux, c'est de très bonnes relations. Autrement dit, même sans prévision, une visite, une rencontre peut être faite. À ce niveau, niveau 1, au niveau plus haut niveau, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai dit 5, 4. Mais maintenant, pour les 4 autres, le rapport entre... il y a parfois un rapport polémique entre dominicains et haïtiens des perceptions, mais l'haïtien en République dominicaine, de toute façon, il y a plus d'haïtiens qui vont en République dominicaine que l'inverse, parce que les dominicains qui viennent en Haïti en général, c'est beaucoup plus d'investisseurs qui viennent ouvrir des commerces, et à ce moment-là, ils ont quand même une vitrine beaucoup plus élevée, donc il n'y a pas de problème. Dans les haïtiens qui vont en République dominicaine, les dominicains appliquent également une double lecture. Ils appellent Elmana, frère sœur, pour les haïtiens qu'ils estiment qui sont en mesure de répondre à des besoins, qui sont capables de voyager en avion, qui sont capables de fréquenter les hôpitaux plus ou moins huppés, qui sont capables d'aller à l'université, qui vont également pour le commerce, qui vont faire du tourisme en allant sur les plages, dans les hôtels et tout. Ça, c'est les haïtiens les très, très bien respectés comme touristes. En République dominicaine, d'ailleurs, moi, je vais bien témoigner, j'étais malade en République dominicaine pour aller voir le médecin et tout autre. Eh bien, toute l'assistance, et pas de problème. Ou dans des rapports avec académiques. Et les rapports entre justement le monde universitaire, encore très bon rapport. En revanche, toujours maintenant, toi, les Dominicains voient les Haïtiens qui vont, les Haïtiens un peu lambda, les citoyens lambda, qui vont chercher un peu la vie en République dominicaine, et qui sont également de basse formation. Eh bien, là, parfois, si on est passé de Elmano Elmana à Diabolo. Et puis, c'est-à-dire qu'on les voit comme diable. On voit comme diable. C'est les mauvais haïtiens. Donc, c'est-à-dire pour un dominicain ordinaire, c'est ça qui est vraiment haïtien. Les autres, c'est des frères et les dominicains, c'est des voisins. Donc, c'est exactement ça. Fait, j'ai dit troisième considération. 4-5. Rapidement, 4-5. Qu'est-ce que je dois dire en 4-5? Mais sur la frontière. Et on pratique à la fois frontière et quorum. Frontière veut dire justement, on passe l'immigration avec passeport, on exige un visa d'entrée si on n'est pas détenteur d'un visa canadien, américain ou Schengen. Pratiquement, quand on est détenteur de ce visa, on n'a pas besoin de visa dominicain.
Mais là encore, le consulat dominicain, un peu partout en Haïti, à Port-au-Prince ou ailleurs, ne donne pas de refus. C'est pas réellement un filtrage qu'ils font pour. Les consulats ne font pas de filtrage pour donner un visa. C'est un rapport plutôt économique. Donc, quiconque vient chercher le visa aura le visa. Mais quel type de visa, c'est l'intéressé qui choisit le type. Donc, c'est pas le conseil qui va dire, OK, selon ta considération, je donne tel type de visa. Non. Le type, c'est toi qui décides, est-ce que tu veux un court séjour ou un long. Mais là, quand même, ça, c'est la politique, j'ai dit, frontière. On fait frontière. Parce que pour passer cette frontière, on doit quand même avoir un statut avec un passeport. Même si certains quand même essaient de passer, parce que même Dominicains qui font frontière, les militaires, on laisse passer des Haïtiens qui vont quand même en République dominicaine sans passeport. Ça a peut-être la moindre pièce d'identité. Mais déjà là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus informel. Korem. Alors pourquoi le mot korem, le mot savant korem, korem en géographique, je dis quand même, eh bien qui veut dire, là, les Haïtiens qui habitent la zone frontalière, les voisins, pratiquement les plus proches voisins, eux-mêmes, ils n'ont rien besoin pour traverser la République dominicaine. Ils vont manger, ils envoient leurs enfants à l'école, ils vont chez les médecins, ils vont faire le marché, ils vont faire la fête, ils vont faire la sortie, ils vont à la plage, c'est tout ce qui est proche de la frontière. Eh bien, eux-mêmes, ils passent devant les militaires, ils lui tendent la main. Eh bien, voilà, pas de problème. Eh bien, on va faire les commissions dominicaines, on retourne en Haïti, il n'y a pas de problème. C'est des gens où les militaires sur la frontière, eh bien, connaissent le nom, peut-être le nom de chaque, pratiquement les voisins qui passent. Autrement dit, voilà le rapport, on peut prendre les 5 considérants de ces rapports qui finalement deviennent un rapport quand même ambigu. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est un mauvais rapport. Si on dit c'est un mauvais rapport, donc on ne passera pas l'examen. C'est pas réellement un mauvais rapport. Mais si on dit également c'est de très bons rapports, comme peut-être le Canada et les États-Unis, ça ne passera pas non plus. Donc il faut quand même comprendre la dimension ambiguë de ces rapports, qui tantôt a plusieurs régimes et parfois a des poids aussi des mesures. C'est ça, c'est un rapport compliqué. Donc. C'est un rapport très complexe, aussi compliqué. Parce que au même moment qu'on peut entendre les journaux, il y a des déportations des Haïtiens considérés comme illégaux, qu'on refoule sur le sol haïtien. Mais quand on passe devant le consulat, on trouve la grande file également qui va chercher le visa dominicain pour aller. Mais aussi, peut-être je devrais dire ce que je n'ai pas dit, et permettez-moi quand même de l'ajouter. Les Haïtiens aussi, en arrivant en République dominicaine, très peu d'Haïtiens acceptent de se considérer comme étrangers. L'Haïtien veut se faire passer pour un national du pays, parce que pour lui, être en République dominicaine, c'est être justement dans l'autre partie de la terre, de l'île. C'est l'autre partie de l'île. Donc, ils ne sont pas étrangers. Et du coup, ils veulent faire à leur propre manière. C'est ainsi que le flot d'Haïtiens qui vont étudier en République dominicaine, ils ne partent jamais avec un visa d'étudiant, et quand ils arrivent aussi en République dominicaine, ils ne prennent jamais le statut d'étudiant avec une carte d'immigration étudiante. Non. Ils prennent le même visa de touriste et ils étudient sans problème en République dominicaine, même s'ils n'ont aucun avantage comme étudiant. Okay. Donc c'est parce qu'ils se veulent tout se considérer, c'est comme si l'université, c'est l'université dominicaine, c'est en espagnol, c'est pas en français, mais ou bien c'est pas en français et créole, donc c'est en espagnol, mais il veut se considérer comme s'il était chez lui. Et à ce moment-là, c'est pas la catégorie non plus qui ont des problèmes, même s'ils ne sont pas réellement légaux. Alors le visa d'étudiant qu'on a pris pour 3 mois a expiré, et le visa touriste qu'on a pris pour 3 mois, il a expiré. C'est comme si on devient maintenant illégal. On a une année scolaire, une année universitaire sur un an. Si on doit peut-être retourner chez soi pour reprendre notre visa, eh bien, à ce moment-là, on est illégal. Mais ce n'est pas ces gens non plus, c'est pas ces gens auxquels les Dominicains donnent problème. C'est lui qui est capable de payer sur ses études universitaires, quand même, qui apporte, je dirais, du surplus à l'économie dominicaine. Mais non, il n'y a pas de problème. Ils sont libres de vivre sans problème, même s'ils n'ont peut-être pas de passeport. Le passeport était déjà expiré. Ils ne peuvent pas peut-être voyager en Haïti ou bien envoyer à Santo Domingo. C'est tous ceux qui sont à Santiago et dans le nord du pays, qui devraient quand même envoyer, remplir les formulaires. Eh bien non, ils attendent en arrivant en Haïti pour faire les passeports d'expirer, mais ils vont vivre sans problème. Sans problème parce qu'ils ont la carte d'étudiant, mais la carte d'étudiant suffit comme passeport. Autrement dit, c'est vraiment un rapport très complexe, mais les Haïtiens aussi ont une lecture, se considèrent d'une manière, ils ont des manières d'être quand ils sont en République dominicaine, ce qu'ils ne feraient peut-être pas s'ils sont au Canada ou aux États-Unis.
Ça, c'est intéressant. Donc, c'est un peu l'impression que la République dominicaine, c'est un peu encore chez nous. Oui, pour eux, c'est chez eux. Donc, leur dit, c'est un étranger, c'est, ils ne le considèrent pas ainsi. Ils ne le considèrent pas ainsi. Oui, voilà. OK. Et allons y aller à d'autres annonces communautaires, annonces publicitaires. Marcel Pochet, de Tuskett Ford. Faites-vous sûr d'écouter La Vieille Country les lundis soirs avec Roland Bourque. Chaque personne qui achète une nouvelle jamais usagée 2018 véhicule côte à côte Yamaha Wolverine 4x4 entre le 2 juillet et le 30 septembre 2019 sont peut-être éligibles à recevoir jusqu'à 750 pièces en rabais instantané au client. Rentrez chez Paul D'Entremont Marines à Pubnico pour plus de détails aujourd'hui. Et je suis revenue cette CIFA avec Chantal White et l'Unéroc Pierre-Louis. Nous allons maintenant parler de comment est-ce que l'état du pays, le tremblement de terre. Eh bien, et là encore, les lectures sont obligées d'être plurielles, c'est-à-dire 9 ans après le séisme, ou même 9 ans et demi, parce que disons 9 ans, 9 ans, 3 cas, depuis le séisme. Et 12 janvier 2010, eh bien, si on prend des considérations beaucoup plus environnementales, c'est un relèvement, je dirais, progressif. Quand bien même on voit des constructions parmi ces qui, et beaucoup de destructions, il y a de nouvelles constructions. Mais attention, du point de vue démographique, il y a un déplacement et qui s'est fait. À mon avis, qui ne retourne jamais au point de départ. C'est-à-dire des gens qui ont des maisons détruites, qui sont allés acheter d'autres, ou bien ils sont déménagés dans d'autres quartiers, selon les villes, qui ne vont peut-être plus y retourner. Et par la suite, en termes de bâtiments publics, parce que ça a un poids, quand un professeur d'université doit travailler dans des logements provisoires, parfois il fait très chaud, comme c'est un pays tropical, et dans des considérations et encore il y a ou encore des problèmes, alors les problèmes ne sont pas encore résolus et ça donne vraiment, si l'on me permet même d'ouvrir la parenthèse sur la santé, eh bien l'environnement influe beaucoup, c'est-à-dire on a toujours un pays et il y a un transfert qui se fait entre la poussière des destructions du séisme et les poussières maintenant des constructions, et comme les mairies, et permettez-moi de le dire, ils ne font pas toujours le travail, c'est-à-dire que chacun met son sable, même si la poussière se soulève, bon, on s'en fout. Eh bien, ça crée encore un désordre environnemental, un désordre sur la santé des gens, un désordre sur à plusieurs niveaux qui ne sont pas encore résolus. Peut-être le système politique n'est réellement pas en jeu, mais ne rentre pas réellement en compte. Mais la destruction des bâtiments, ça fait des effets, peut-être même économiques, parce que quand l'État doit louer des bâtiments pour loger quand même les services, ça veut dire que c'est des dépenses et qu'on ne ferait pas si on s'était installé dans son propre bâtiment, et parfois c'est les moyens également du fait de la corruption, parce que parfois on a la surfacturation de tout ça. Donc c'est les séismes, de me dire les poids du séisme et les conséquences du séisme sur l'état du pays ont encore un poids, même si peut-être et en 2012, en 2011, 2013, c'était encore plus chaotique. Peut-être on est sorti, disons, en résumé, du chaos du séisme, mais le relèvement s'est fait quand même de manière lente et progressive. OK. OK. Puis, comment est-ce que les choses, Anne Lafarge vous demandait avant que nous finissions, qu'est-ce que vous plantez dans vos jardinages? Lisa est une jardinière hors pair, donc c'est de là que vient la question. Eh bien, intéressant quand même, c'est un pays tropical, pourtant. Avez-vous des petits jardins derrière vos maisons comme qu'on a ici, ou ce serait point fat? Et ben non, en termes de jardin, j'allais même dire que j'introduis pas dire que le pays il est tropical. Il est parfois traversé aussi par des longues périodes de sécheresse. Et puis la pluviométrie varie quand même de milieu à l'autre.
C'est un petit pays. Alors pour les amis auditeurs et auditrices de Radio Sifa, la population d'Haïti fait environ 52% de la population de la province de la Nouvelle-Écosse. Mm-hmm. 27 750 km². Vous savez, vous êtes à 55 000 km². Et donc, vous voyez, c'est plus de la moitié, mais c'est légèrement de la moitié. Mais ce qui veut dire quoi? Le pays, on a toujours appris, c'est essentiellement agricole. Donc, c'est des pays en termes de jardin, en termes d'horticulture. Tout peut se faire, presque tout peut se faire. Sauf que les plantes qui ont besoin d'un climat tempéré. Mais maintenant, en termes de culture par rapport au jardinage, oui, on en trouve. Mais ça donne maintenant, il y a une crise d'immobilier en Haïti. Donc quand on s'intéresse à faire des grosses maisons pour pouvoir les louer, plutôt que d'aménager des espaces, c'est comme si maintenant, et votre question a une dimension très écologique, a une dimension très verte, mm-hmm. comment garder l'environnement avec le chez-soi. Et bien on en trouve les gens plus aisés, et bien qui font une construction avec jardin. Et alors, n'empêche, quand on monte dans les hauteurs, par exemple des villes, par exemple comme Port-au-Prince, on a l'impression que Port-au-Prince est couverte quand même d'arbres. Et c'est un peu l'illusion optique. Quand on marche, on trouve quand même il y a les arbres. On ne va pas dire quand même qu'on les protège pas. Certes, on les protège. Il n'y a peut-être pas une trop grosse politique trop serrée, comme du temps de Jean-Claude Duvalier, pour la protection des arbres. Et quand bien même on les protège, et ce qui veut dire que Haïti est capable de produire tant de récoltes, tant de types de fruits, tant de types de légumes, tant de types de vergers, et tant de types de gazon aussi, pas de problème dès qu'on a de l'eau, bien on fait l'irrigation. Mm-hmm. Donc c'est la vallée de la Tibonite qui est le grenier d'Haïti pour le riz ou les légumes. Mais aussi peut-être ce que je dois dire, même si je connais une haïtienne, quand même c'était une canadienne qui après son mariage a pris la citoyenneté haïtienne, Yvette Papillon, donc qui est mort l'année dernière, est venue avec une tradition et de concert avec des amis américains qui font faire des légumes et surtout des légumes sur le toit des maisons. Petits jardins sur le toit des maisons. Oui. C'est une tradition aussi en Allemagne, on a vu ces gens de Fair Garden. Oui. Fair Garden. Mm. Et comme moi j'ai appris de l'allemand, on a fait dans des leçons d'allemand, de Fair Garden. Eh bien, effectivement, on trouve parfois ces traditions aussi de légumes. Mais selon ce qui n'est pas peut-être parfait dans l'éducation scolaire, c'est le rapport de typologie de sol. Et quel type de sol garde plus l'eau, plus. Parce que tout le problème en Haïti, c'est un problème parfois d'eau. Oui. Et comme il y a un certain désordre dans l'agriculture, que les paysans eux-mêmes, bon, maintenant ceux qui ont des terres à cultiver, font la pluriculture. Le danger de la pluriculture est grave, quand même. C'est un danger quand même important. C'est un danger qui fait que on met n'importe quelle plante dans des milliers et certaines plantes consomment plus d'eau que d'autres. On devrait avoir une politique agricole qui ménage, parce qu'on n'a pas les saisons comme ici où on pourrait avoir, on sait que mais dès que c'est l'automne, dès que c'est l'hiver, dès que c'est le printemps, on aura beaucoup de pluie, même si en été ça s'est réduit. Et je ne sais pas vraiment si en été il y a une réduction des pluies comme on en a en Belgique. J'en ai au moins témoin, je peux plus en parler pour la Belgique où il y a quand même une réduction des pluies par rapport à l'hiver. Mais en Haïti parfois c'est des pluies d'intempéries. Or la gestion d'eau tout court devait être faite, mais la gestion pratiquement des eaux dans les terres à cultiver, ça ne se fait pas. Et bien c'est peut-être ça réduit, mais Haïti reste quand même un pays capable d'être cultivé à 100%. Puis quelle sorte de fruits que vous cultivez dans Haïti? Eh bien, on a tout type de fruits, mais on n'a pas de fruits comme la pomme, par exemple. Même non, si, mais je pense que c'est plus... Fruit. Mais la mangue, pratiquement, on a la mangue. Alors, peut-être, si je m'attendais à une question pareille, je devrais peut-être faire un classement. Donc, alors moi, c'est luné, c'est pas liné, mais peut-être faire un classement beaucoup plus scientifique, pas un classement, je dirais, botanique. Mais on a également les fruits et du type citrus. Donc, les citrons, même s'ils deviennent beaucoup plus rares, on importe les citrons dominicains beaucoup plus. On a les oranges, oui. Donc, la pamplemousse. Okay. Elle aussi chadec chez nous. De cette catégorie, la mandarine. Et les citrouilles aussi, on en a. Des citrouilles? Oui, on en a quelques graines quand même, peut-être pas trop. Mm-hmm. On a maintenant
dans les fruits douces, beaucoup plus douces, et les fruits acides, les fruits beaucoup plus douces. On a récemment la mangue, pratiquement c'est un pays de 275 variétés de mangue. Et on a aussi les avocats. Ok. On a aussi les avocats. Et on a le melon, on en produit beaucoup. Oui. Et après le melon, on a également le je ne devrais parler des bon, les pastèques, pratiquement c'est considéré aussi comme des melons en Haïti. Et c'est la pastèque douce parce que la pastèque est, parce que on considère également le truc c'est un légume là, le giromont là, la citrouille. Et c'est la citrouille amère, donc c'est la citrouille pour, comme légume. Oui. On en a. Quel type de fruits dont je n'ai pas parlé Est-ce qu'il y a des baies comme. Nous, on a les fraises, on a les framboises. Est-ce que ça, ça pousse? Et là, on en a, mais c'est pas peut-être. C'est pas trop développé parce que ça demande maintenant, justement, un pays, un sol plus tempéré avec beaucoup d'eau. Mais j'en vois que, comme on a la forêt des pins. Et on a normalement le quartier qu'on appelle Séguin ou qui fait des températures pareilles comme on a de nos jours. Et même en été, en Haïti. Donc, on n'en produit pas beaucoup, mais on a aussi quelques fraises. Même si dans les supermarchés, on trouve beaucoup plus de fraises importées. Mais également, on en a. Et on en a aussi en Haïti. Ok. Alors, je ne peux pas croire, il est déjà 2 minutes de 5. C'est ça, je me disais qu'on devait arriver proche. Juste en terminant, donc, rappelez que l'émission, en fin de compte, c'est une émission qui est parrainée par le Centre de la Francophonie qui nous a permis d'accueillir chez nous l'Unéroque Pierre-Louis. Puis, on l'accueille dans le cadre du colloque sur les médias communautaires francophones qui va se tenir à l'Université Sainte-Anne du 4 au 6 octobre. Merci beaucoup. Merci les deux de vous autres. Merci à toi. Et ça va être vraiment intéressant ce colloque-là. Je ne peux plus jeter pour y aller. Moi non plus. Ouais. T'as vraiment un point de foi. Non. Ben, merci.